Bon, là, on remonte un peu la dérive. Ah, je suis trop content. Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, enfin, je ressors le kayak. Je vous avoue que les conditions météo, franchement, en ce moment chez nous, dans le Pas-de-Calais, c'est pas terrible. Donc, voilà, c'est un peu chiant. C'est ce vent là qui nous embête. Donc là, j'ai enfin pu ressortir le kayak. Donc, j'espère que ça va être une superbe journée. Et je vais faire du fish. Allez, à tout à l'heure, les amis. Oui, les amis. Oh là là, putain. Allez, bon, celui-là, ça a été vraiment une surprise. Hein. Bon ben voilà les amis, la journée commence bien, j'ai fait un petit 50, super content, dans 5 mètres de fond, j'ai même pas vu l'attaque, j'étais même pas concentré, il m'a pris le leurre dans le fond, j'ai fait à gratter, il m'a pris le leurre dans le fond, j'ai même pas senti la touche, c'est quand j'ai remonté mon leurre, j'ai putain, la surprise, génial, voilà un gros pépère, le premier de l'année. Là, je remonte ma dérive et je vais voir si on en a encore sur le secteur. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, là sur le sondeur, je viens de passer sur un petit descendant avec une petite tête de roche. Donc généralement le bar est présent ici, hein, donc c'est ce qu'il faut repérer au fait. Hein. Les petites têtes de roche, hein, généralement les bars sont cachés là en dessous. Généralement vous mettez, il y a de la roche, hein, généralement c'est payant, hein, vous allez faire du bar. Hein. My intention, I'm currently coming to C25, I'd like to pass the case if you're successful, if you pass the penalty. Là il commence à avoir une dérive de malade. Ok, you want to pass it, copy. Back to 1-6. Oh, vous allez vous taire 5 minutes, vous. Donc, je disais, on est toujours en train de m'interrompre. Donc là, le courant est en train de reprendre. Il commence à avoir une dérive assez conséquente. Donc je vais changer de leurre. Je vais passer en 25 grammes. Là, je suis en 15 grammes. Je gratte bien le fond. Donc je vous avais déjà présenté, hein, le moulinet casting. Ça fait le Brutus, ça fait un an que je l'ai. Franchement, il va toujours nickel. Hein. J'ai aucun souci avec. Franchement, pas de rouille, rien. Pas grippé, pourtant il a déjà pris l'eau. Hein. Au moins 3-4 fois. J'ai des moulinets de marque que j'avais acheté. Ils ont pris deux fois l'eau, ils étaient morts. Quoi. Donc voilà, hein. J'en dis pas plus.
après celui-là, j'en suis très content, franchement. C'est nickel. Il commence à faire chaud. Je pense que je vais pas tarder à virer la veste. Donc là, je suis sur le secteur d'Ambleteuse. Bon, j'ai mis à l'eau ce matin 8h. Donc là, il est 10h30. Donc je pense que je vais pêcher jusqu'à 14h, c'est bien. Donc j'ai fait mon gros pépère, c'est bien, je suis content. Poisson les amis. Ça a pas l'air d'être gros. Ah, c'est pas gros. C'est pas gros. Un petit pépère. Ah, il s'est détaché tout seul, lui. Un petit pépère. Ah. Vigilant. Mes amis, un petit 35, il va repartir à grandir, hein. Pas très gros. Allez. Allez. Allez, il est reparti. Bon. Ben, c'est pas mal tout ça. Donc toujours avec le même leurre, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, je ne sais plus le nom. Si vous avez le nom, mettez-le dans la description. Bon, je remonte un petit peu la dérive, je vais me replacer, voir s'ils sont encore sur place. Donc là, pour le moment, la mer est super calme. Le vent doit se lever vers normalement 15h, donc bon, je vais surveiller. Pour l'instant, là, le vent a complètement baissé. On avait pas mal ce matin. Donc, je suis super bien, quoi. Je profite que du bonheur. Ouais, voilà les amis. Un petit pépère, fait 35, pas très gros. Il va repartir à grandir. Ça fait plaisir, ça fait le deuxième, donc bon voilà quoi. La deuxième sortie de l'année, top top. Les barres sont bien là. Bon bah je voulais vous dire aussi, si vous avez des questions sur la pêche en kayak, n'hésitez pas, hein, je serais heureux de vous répondre, il n'y a pas de souci. Hein. Même si vous êtes de la région ou vous passez dans la région, que vous souhaitez venir me rencontrer, il n'y a pas de souci. Hein.
Toi, je pourrais vous montrer vraiment le kayak de pêche, comme ça vous aurez une idée. Hein. Donc, vous m'envoyez un petit message sur ma page Facebook, donc Spartan Fishing 62 en MP, et puis comme ça, bah, je vous réponds, hein, y a pas de souci. Hein. Il commence à faire chaud. Qu'est-ce qu'on est bien sur l'eau? Regarde-moi ça, tout seul. Pas un bateau. C'est le petit plus hein, de sortir en semaine. T'as personne. C'est bon, le week-end, c'est blindé. Donc voilà, tranquille quoi. Bon, c'est sportif le kayak. Hein. Tu vois qui me dit que c'est pas sportif. Tu sais, quand t'as pédalé pendant une heure, tu le sens aux jambes. Après, c'est bien, tu fais du sport en même temps, c'est nickel. Bon, bah là, je me teste à la plume, pour voir s'il y aurait quelques macros qui traînent dans le coin. Mais bon, il m'a pas l'air d'être trop actif le macro en ce moment. Bon, après, il a encore de bonne heure. Hein. Donc là, j'ai été chercher du fond, je suis à 20 mètres. Mais pour le moment, rien. Donc là, ça fait 2 heures que la mer elle monte. Bon, allez, je vais m'entrer. Comme vous pouvez le constater, le vent commence à monter. Hein. Bon, après, là, il n'y a rien de méchant, hein, mais bon. Là, j'ai fait une bonne pêche, donc je vais m'entrer tout doucement. Bon ben voilà les amis, session de pêche terminée, donc 8h30, 14h, donc c'est bien, nickel. J'ai fait une bonne pêche, donc j'ai fait 4 barres, j'ai fait un gros pépère de 55, les autres ils étaient trop petits, hein, ils faisaient 42 et j'en ai fait un de 39 aussi, donc ils sont repartis grandir, donc les conditions étaient idéales. Hein. Un peu de vent ce matin, mais ça a été bon voilà, une bonne matinée, ça fait trop du bien de sortir. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu comme d'habitude, le petit commentaire qui va bien et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également aller faire un tour sur ma page Facebook, Spartan Fishing 62, et sur mon Insta. Voilà, allez, bye bye.